Je vais vous présenter l'association. Elle a été créée en 2007 sous l'impulsion du professeur Pack, du docteur Germain, c'est grâce à l'implication de quelques patients. L'association a pour but d'informer sur cette maladie encore mal connue en proposant des réunions comme ce matin une fois par trimestre. L'association est aussi donnée sur le site internet de l'association OVR. Vous y trouverez aussi un forum de discussion dont la possibilité de poser des questions. Sur ce site, il y a aussi des informations sur le matériel que certains d'entre nous ont pu tester, des informations pour l'emploi, pour le statut de travailleur handicapé. De soutenir la maladie grâce avec les malades, l'association propose un groupe de parole une fois par mois avec une psychologue dont nous payons les séances et c'est gratuit pour les patients. Ce groupe permet de rencontrer d'autres patients et de partager son expérience de la perte visuelle et ses répercussions dans la vie du quotidien. C'est très important de pouvoir échanger, de se sentir moins seul. De soutenir aussi la recherche en faisant des petits dons en fonction de nos possibilités pour les travaux préliminaires qui permettent d'étayer les demandes de financement plus conséquents. N'hésitez pas à vous servir donc de la brochure et du triptyque pour connaître la maladie. Et vous pouvez aussi, via le site internet, nous demander qu'on vous en envoie. Voilà. Donc on peut continuer les questions. Devenir adhérent à l'association. Bien sûr, et devenir adhérent grâce aux dons et aux cotisations, cela nous permet d'avancer et de grandir notre association. Voilà. Ben, je vous remercie d'être venu et puis n'hésitez pas à poser des questions via le site internet. Vous avez un maximum de réponses déjà sur cette brochure-là et le triptyque. N'hésitez pas à nous en demander si vous en avez besoin. Et puis, je vous dis à très bientôt. Merci d'être venu. Au revoir. Merci.